Salut les riders, c'est André pour un tout, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à l'EM Normandie en compagnie du community manager de l'EM, monsieur Corentin. Applaudissements s'il vous plaît. Salut les EMiens, bienvenue sur l'IGTV de l'EM Normandie. Aujourd'hui on se retrouve avec Andrea Tuto, Andrea Prévost pour les intimes, un U3 qui se trouve sur le campus de Caen cette année au programme Grande École. C'est quelque chose qui n'a pas été fait en France, du coup c'est la première fois que vous voyez ça sur YouTube. J'espère que vous allez kiffer et on espère que ça va être chaud. Voilà, let's go! Donc on est sur la ligne d'arrivée du premier défi et la ligne de départ aussi, hein, puisque ce sera une boucle. Ok, donc ce premier défi, ça va être une course contre la montre, Corentin vs moi. Voilà, on a un petit tour à faire dans l'EM Normandie, enfin un petit tour, quand même un gros tour. On va devoir monter des escaliers, aller vite, 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 vite dans des couloirs, passer par des amphithéâtres, sortir dehors, passer devant le bureau, des bureaux. Et aller jusqu'à l'inside et ressortir dehors, enfin bref, un très très gros parcours. Bien sûr, moi je me sens très 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 chaud pour faire ce parcours. Pas moi. Corentin, il n'est jamais monté, je crois, c'est une continuelle, du coup ça va être un peu deuxième compliqué. Deuxième fois de ma vie, la première fois c'était il y a 10 minutes. Voilà. Je vais le laisser commencer à faire ce long parcours et ensuite ça sera mon tour. Et pour commencer ce parcours, on aura Paul ici présent, le président du B2 d'EMTA, qui va appuyer sur le chronomètre. J'espère que c'est chaud. Ah, je suis bien ultra chaud, mec. Moi, je suis bouillant. Je suis ultra chaud. Et voilà, les gars, on va faire du J'ai ah. déjà les mains moites. Let's go. Bon, comme je suis pas très confiant vis-à-vis de Corentin, je vais lui mettre un casque sur la tête. Comme ça, on est sûr au moins que s'il tombe, il se blesse. Sur la casquette, carrément. Il va falloir enlever la casquette, je pense qu'on est bon. Tu tapes, toi. On est bon, là. Ok. Je sais faire des saltos et tout, mais je vais pas vous montrer. Ok, t'es prêt? 3, 2, 1, go! Je vais faire plus d'une minute 13. Plus d'une minute 13. 3, 2, 1, go! Ok les gars, je fais une petite pause à l'inside de l'EM Normandie parce que je sais très bien que je vais battre Corentin. Du coup, petite explication de ce qu'est l'inside. L'inside, c'est l'incubateur de l'école. En gros, c'est les personnes qui vont nous accompagner dans nos projets personnels. Pour moi, c'est YouTube cette année. Et en gros, c'est une équipe de plein de coachs qui vont m'aider à mener à bien tous mes projets avec YouTube. Sur ce, je vous laisse parce que vous vraiment que j'y aille. Ciao. Moi ça va, t'as été vif hein. Attends, on n'est pas venu là pour rien. Je me suis fait exploser les gars. Bah comme convenu, hein, de toute façon, y en a un qui maîtrise la trotte, l'autre qui maîtrise les réseaux sociaux. Bref, défi numéro 2. Cette fois-ci, j'y participe pas. On va laisser les professionnels faire. Hein. Par contre, je me réserve le droit de te juger et de te dire de recommencer. Oh. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai sur le téléphone, ici même, une liste de 10 tricks qu'il va devoir effectuer sur du flat, cette zone-là. Il peut céder des bancs. S'il a envie d'améliorer la technique, c'est juste pour voilà, présenter un petit peu à ceux qui ne connaissaient pas encore Andrea Tuto, qu'est-ce que le trottinette freestyle. C'est une super discipline qu'il maîtrise à la perfection. Donc bah, on va voir ça, hein, parce que je ne t'ai pas encore vu en vrai, donc moi ça m'intéresse. Tu vas me dire 3 chiffres entre 1 et 10. Ouais. Et ça va être carrément les tricks que tu vas devoir effectuer sur le flat. Il y a des tricks pas mal, non? Ouais, je pense. Ok. Ouais, je pense. Alors attends, un chiffre entre 1 et 10. Ok, bah déjà la moitié, hein. 5. Bon. Ok, 5, 1, 2, 3, 4, 5, finger. Finger? Ouais. Ok, donc finger, c'est une figure où je lève la trottinette et je tape avec mes fingers, mes doigts, tac, et je retombe dessus. Excellent, figure, excellent, on adore. Ensuite. Allez, 3. La 3, 1, 2, 3, kickless. Kickless, ok, donc kickless, c'est j'envoie le pied avant, je bloque et je ramène. Cool aussi. On adore, très bien. Et le dernier? Allez, 2.
Le 2. Ouais. Le Brie. Oh, le Brie. La meilleure figure. La meilleure figure. On préfère le camembert à l'EM Normandie. Attends, à l'EM Normandie, si tu manges pas de camembert, c'est un manque de respect. Mais ça, vous le verrez dans une autre vidéo. Non, 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 ça c'est terrible. Ça. Ok, on coupe, on coupe. Ok, donc le Brie, le finger. Attends, j'explique le Brie. Et le kickless. Explique le Brie. Du coup, le Brie, pour ceux qui connaissent pas, c'est cette figure. Hop, une sorte de parapluie énorme. Clac, qu'on vient replaquer. Ok. Est-ce qu'il y a une de ces figures que tu vas pouvoir effectuer peut-être sur un de ces magnifiques bancs? Franchement, si tu veux, pour la vidéo, pour le M, je peux faire les figures sur le sol et les figures sur le banc. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et là, me dis pas, ouais, la figure, elle est pas validée, je sais pas quoi. On verra ça, on verra ça, très bien. Ok, ok. Ok, bah on lance ça. T'es chaud? Je suis chaud. Ok, 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti les gars, on y va. Franchement, sois indulgent, il est 20h30, je suis en cours depuis 9h ce matin. T'inquiète, moi aussi. Je suis fatigué. Bon, on commence par le finger, les gars, du coup. Ok les gars, du coup c'est parti, première figure, le finger whip, donc je tape avec les mains ma trottinette. J'espère que ça va passer du premier coup. Ok, 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 je valide, je n'essaierai pas cette figure. N'essayez pas ça chez vous si vous n'êtes pas protégé avec un casque. Ok, maintenant, le kickless. Ok, donc on y va crescendo, deuxième figure un peu plus compliquée. On va lancer la trotte d'un côté et ensuite on va la ramener sous les pieds. Le but c'est de pas glisser à la fin. Allez, c'est parti. Oh mon dieu, c'était nul. Ok, on recommence. Okay. Ouais, j'ai trouvé un petit peu déséquilibré sur la fin. Ouais, t'inquiète pas. Si je dois mettre une petite note, c'est le temps que je vous mette en place. Ouais. Ok, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Là, ok, là, ok, là, on parle. Bon, attention, là, attention, attention, moi je fais un kickless aussi. Encore une fois, notez la prestation dans les commentaires. Voilà. Maintenant, on passe au Brie, la plus grosse figure, la plus impressionnante. C'est parti. Celle-là, il y a moins que je rajoute. Ouais, il n'y a pas trop de temps. On va tous rire. Ok, les gars, la dernière figure, le Brie, le grand parapluie avec la trottinette. La figure la plus dure, parce que celle-là, elle est vraiment très dangereuse, parce qu'elle passe au-dessus de la tête. Mais pour vous les gars, je la réussis. Ça c'est gentil ça. Mais pas pour toi. Ça fait plaisir. Mais si pour moi mon gars, je le recommence. Bref, je serai content de toi. Yes. Oh, premier coup. Je vous blesse, c'est ma responsabilité quand même. C'est moi qui l'ai embrigadé là-dedans, tout ça là. Moi aussi, je sais faire des tricks, les gars. C'était grand du cœur, hein. Ouais. C'était super cool. Ouais, c'était grave cool. En tout cas, Andrea, merci, merci d'avoir, d'avoir accepté de tourner une vidéo avec nous. Il n'y a pas de soucis. Je me suis éclaté à faire ce projet-là avec toi. J'espère que moi, c'était super cool. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. On avait dit que si la vidéo IGTV sur Instagram fait plus de 5000 vues, on fera une partie 2 avec moi-même, dans un autre campus, dans un autre endroit. On ne sait pas encore, mais en tout cas, on fera ça pour vous. C'est à plus de 5000 vues. Et n'hésitez pas à aller suivre la chaîne YouTube d'Andrea pour ceux qui nous regardent depuis l'IGTV. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à montrer ça à vos proches. Un grand merci à l'EM Normandie qui a accepté qu'on tourne dans leur locaux. Merci beaucoup, franchement, c'était super cool. Un grand merci à Andrea qui s'est donné corps et âme sur cette vidéo. Merci à Corentin de m'avoir proposé de tourner cette vidéo. Bien sûr, merci aux personnes qui ont participé à cette vidéo, donc Thomas et Laurent. C'était super sympa, ils sont donnés à fond pour cette vidéo. Et aussi un grand merci à Demta qui était là pour toute l'ambiance. C'est le BDE du campus de Caen. Mmh. On dit bonjour aussi à tous les BDE de tous nos campus qui sont sur Caen, Oxford, Paris, Le Havre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'IGTV. J'espère qu'on va bientôt une vidéo sur le YouTube d'Andrea. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit salut et à la prochaine. Salut, ciao les potos.